Bonjour et bien reparti pour une petite vidéo informative sur Anthem, la saison des crânes qui va bientôt se finir, la sixième semaine, la dernière semaine. Et bien il paraît que j'avais encore raison, bah mince alors, oh, ça devient une habitude tout ça. Donc apparemment BioWare va ressortir les 5 boss à faire en partie libre. Les 5, donc vous allez pouvoir compléter cet événement, ce défi, et vous allez pouvoir récupérer les armures. Les jolies armures, j'espère qu'elles sont belles, vraiment, parce que toute cette farm, ça va, oh mon dieu. Bref, vous allez pouvoir récupérer toutes ces armures, donc si jamais vous avez loupé un boss, bah comme moi, par exemple, j'ai loupé la reine la semaine dernière, et bah du coup, vous allez pouvoir enfin la faire, donc voilà, ça va durer une seule semaine avec tous les événements disponibles dans la partie libre. Pensez à le faire, c'est important, enfin c'est important si vous jouez en thème, évidemment. Mais voilà, ça va être votre seul moyen de vous rattraper, sinon le reste, c'est mort. Donc voilà, faites-le vite cette semaine. Allez farmer, oubliez pas les crânes à récupérer dans le cataclysme, oubliez pas les monstres à tuer dans le cataclysme, n'oubliez pas donc de refaire les 5 boss, enfin si vous en avez loupé un dans la partie libre. Oubliez pas tout ça, voilà, et vous aurez donc les récompenses, ce sont les armures. Voilà, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis assez content. Je savais que BioWare allait remettre ces défis, en fait, un jour ou l'autre. C'était obligé parce que BioWare, en fait, tourne un peu au ralenti avec le contenu d'Anthem. Donc, ils remettent un peu le contenu qui sort. Et même les armures, je pense qu'on les reverra peut-être un jour. Donc, voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Et moi, il faut que je livre toujours plus de paquets. Ciao, ciao.